Mort de Marion Game, Laurent Ruquier lui rend un hommage émouvant dans Les Enfants de la télé. Sur le plateau des Enfants de la télé, dimanche 26 mars 2023, Laurent Ruquier a rendu un hommage appuyé à Marion Game, morte le 23 mars 2023, à l'âge de 84 ans. Si beaucoup la connaissaient pour ses rôles à la télévision, il a tenu à rappeler qu'elle était aussi une grande comédienne de théâtre. La mauvaise nouvelle a été annoncée vendredi 24 mars 2023. La veille, Marion Game est morte à l'âge de 84 ans. C'est avec la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles, a annoncé sa fille, Virginie Ledieu, précisant qu'elle était morte de vieillesse. La célèbre comédienne était particulièrement connue pour son rôle des Huguette dans Scènes de ménage, qu'elle interprétait depuis 2009. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se succèdent. Le dernier est signé Laurent Ruquier. Il a profité de son émission, Les Enfants de la télé, diffusée dimanche 26 mars 2023, pour se souvenir d'elle. Son programme a débuté avec un extrait d'une interview de Marion Game par le cinéaste Michel Audiard, qu'il avait fait tourner dans Le Cri du Cormoran le soir au-dessus des Jonques, 1971. Marion Game, c'est un joli pseudonyme, lui avait-il alors lancé avant qu'elle ne le reprenne. Ah mais ce n'est pas du tout un pseudonyme, c'est mon vrai nom. De retour à l'antenne, Laurent Ruquier a expliqué pourquoi il avait voulu démarrer son émission avec cet extrait. Bonsoir à toutes et à tous. Vous venez de voir des images de Marion Game. Vous la connaissiez évidemment à travers son personnage des Huguette dans Scènes de ménage aux côtés de Gérard Hernandez. Elle nous a quittés hélas jeudi dernier. Elle avait 84 ans, a-t-il raconté dans un premier temps. Laurent Ruquier a rappelé que Marion Game était également une comédienne de théâtre. Et effectivement, cette interview de Michel Audiard nous parle de sa carrière cinématographique. C'était une grande comédienne de théâtre aussi. Il n'était pas possible, pour le célèbre animateur, de ne pas rendre hommage à cette grande comédienne. On voulait démarrer cette émission en ayant une pensée pour Huguette de Scènes de ménage. Au revoir, Madame Marion Game, a-t-il conclu très touché.